Eh bien bonjour à tous, c'est Durota, nous on se retrouve aujourd'hui sur Hydroneur, un petit simulation de recherche d'or. Donc avant de commencer, j'avais tourné entièrement l'épisode 1. Le seul problème, c'est qu'à un moment j'avais dû couper mon micro et j'ai malencontreusement oublié de le réactiver. Du coup, faut absolument que je recommence tout. Donc ça va que j'avais pas trop avancé, mais j'avais quand même eu un peu plus d'1 h 40 de jeu. Donc du coup je jette un verre pour rien. Donc vous avez de la chance que je le fais pour vous. Donc on va commencer l'épisode pour pas récolter directement des minerais. Enfin des minerais, des pépites d'or. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. À savoir que je vais commencer à creuser par ici. Après j'hésite, est-ce que je ferai pas plutôt un trou par ici? Parce que apparemment on peut creuser ici. Donc je sais pas quel côté je vais exploiter. À savoir que là-bas du coup je serai plus proche de la zone. Je vais juste voir si c'est éventuellement possible avant de creuser là-bas. Donc il faudrait peut-être que je mette peut-être plus une installation ici. Et puis par la suite. Oui, on peut creuser ici. Donc ici je vais commencer par ici je pense pour l'épisode. Et après du coup je décalerai plutôt par là-bas. Parce qu'une fois qu'on aura débloqué du coup directement tout ce qui est machine et automatisation, eh bien, on fera ça directement plus au milieu, où on a un plus gros espace pour entreprendre ou pour faire plutôt nous mettre en place nos machines et tout ça. Donc là, puisque je vais faire moi-même les trous, je vais plutôt creuser ici, histoire d'éviter de tout creuser partout comme un fou. Parce que j'ai quand même une petite idée de comment je ferai les choses lorsque je commencerai à mettre les machines. Donc à savoir que je pense tourner à peu près je dirais 5-6 épisodes peut-être. Parce que le jeu, voilà, il est toujours en développement. Et à savoir que la prochaine grosse mise à jour arrivera d'ici pas mal de temps. D'ici quelques mois, je crois, 2-3 mois. Donc pour moi le contenu est quand même assez conséquent, mais pas tant que ça non plus. À savoir qu'il y a également quelques petits bugs, comme le fait de pouvoir perdre ces outils qui passent à travers la map, ou le fait que tout à l'heure dans l'épisode je me suis retrouvé à ce que mon seau, ou est-ce qu'il y avait toutes mes pépites dedans, il s'envole dans le ciel et du coup je me retrouve un petit peu keblo. Et surtout j'avais tout perdu. Et le fait que du coup j'avais aussi perdu ma brosse. Du coup à cause de ça, j'ai pas pu. J'étais un petit peu bloqué, donc j'ai dû rechercher avec la lanterne en pleine nuit où est-ce qu'ils étaient les pépites d'or. Enfin la retrouver un minimum pour pouvoir racheter des brosses et tout ça. Donc voilà. Donc là on va commencer le farming. On va commencer le farming tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là on creuse la terre, on la met dans le seau. Du seau, on la transvide ici, et d'ici, du coup, on met le seau dans l'eau, on récolte, on met de l'eau dedans, on retire, on relève le seau, on prend la brosse, on gratouille, et là, boum, là, un minerai de fer. Donc, pas de chance. Donc là, on continue. Donc, on met le seau, la pelle, hop, et on continue. Donc, pour remplir le seau, c'est 4. Avec la pelle améliorée, c'est seulement 2, du coup. À savoir que je venais à peine de débloquer la pelle améliorée. Pour l'épisode, du coup, ça m'a un petit peu attristé. Mais c'est pas grave. C'est une erreur de ma part. J'espère que je le ferai très attention la prochaine fois pour éviter que ce genre de problème se reproduise. Et du coup, je me retrouve encore à tout perdre. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Là, j'essaie de. J'enchaîne quand même un petit peu plus vite. Histoire que. Excusez-moi, on va quand même y arriver. Hop, voilà. Tac, tac. Donc là, décidément, pourquoi il ne veut pas rentrer dans le seau? Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais quand même faire un trou un peu plus conséquent que celui que j'avais fait tout à l'heure. Parce que ça me permettra du coup. Hop, excusez-moi. Parce que des fois il y a des petits.
Bien sûr, vous pouvez autant remplir avec un seau qu'avec le gros. Moi, je sais que je fais un petit mix des deux des fois, mais je préfère remplir directement le seau plus ça directement pour pouvoir aller un peu plus vite. Comme ça enchaîne sans perdre de temps. Donc voilà, je vais mettre le mode de rapide du farm, histoire que je vous évite tout l'épisode où on récolte, où est-ce que vous me voyez un petit peu galérer, etc. Donc bien sûr, vous le verrez, mais en version rapide. Du coup, je vous dis à tout de suite. Thank you.
Et me revoilà. Plus que ça. Et puis on va aller voir comment du coup on s'est fait dans le farming. Du coup bah, j'avais coupé la vidéo parce que bah, j'ai fait une bêtise. Puis j'en ai refait encore une exactement la même parce que je vais aller trop vite. Pour éviter justement de vous faire en sorte de d'aller aussi vite que possible dans le côté farming quoi. Et le problème c'est que du coup bah, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Et deux fois j'ai renversé mon seau avec tous les. Bah, le seau que je tiens à la main là, avec toutes les pierres, tous les minerais, tout ça dans. Dedans et du coup bah voilà c'est j'ai tout perdu à plusieurs reprises un peu partout du coup j'ai dû les récolter à la main enfin voilà quoi j'ai fait pas mal de bêtises du coup là ça fait 417 au total il y a quand même regardez il y a quand même pas mal de choses je sais pas par contre ok donc au moins là c'est bien donc là on va prendre notre monnaie on va la mettre dans notre seau voilà. Et puis on va l'acheter 2-3 matos histoire de pouvoir faire ben, certaines petites choses qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par tout ce qui est fonte. Donc pour la fonte, il nous faut ça. Il nous faut ça. J'espère juste qu'on aura assez pour tout. Il nous faut ça. Après, j'aimerais bien qu'on ait en plus ça. L'enclume. Et la meule. Ça serait bien qu'on puisse avoir tout ça. Oh, pile poil, on a exactement tout ce qu'il nous faut. Je vais vérifier que j'ai rien oublié. Ça pour faire fondre. Ça. Et ça pour transformer, donc ça c'est bon. Et ça pour les diamants. Super! Ah non, il nous manque quelque chose que j'ai un petit peu omis d'oublier. Il nous reste combien? 7. Ah! Admettons, je sais pas si on peut l'utiliser si. Attendez. Ah, si on peut l'utiliser sans qu'on ait besoin de le mettre sur une fondation. Ok, comme vous pouvez le voir, l'enclume nous permettra de faire une dague. Pour la dague, il nous faut un ingot de fer. Voilà. La barre correspond au nombre 1. Et la barre, bah, du coup, grisée, c'est le fer. Donc, un ingot de fer. Pour faire de la hache, il nous en faut 2. Et pour l'épée, 3 lingots de fer. Pour ce qui est de la bague, il nous faut une pierre précieuse et un lingot d'or. Pour ce qui est du collier à pierre précieuse, il nous faut bah, une pierre précieuse et 2 lingots d'or. Pour moi, c'est tout ce qui est possible de faire. Je pense que par la suite, il y aura de nouvelles choses possibles à faire. Donc là, on va tout mettre là-bas. Et ce qui serait très très intéressant, par contre, dans l'avenir des choses. Bon, attendez, je prends le véhicule pour tout mettre dedans. Ça va être plus simple, je pense. Ah. Ça y est, je monte dans le véhicule, je bloque. Ok. Hop. Donc là. Hop. On va récupérer quand même mon petit seau. La meule pour limer les pierres précieuses. Enfin, pour retirer les impuretés sur les pierres précieuses. Bah, le bras zéro pour pouvoir mettre. Du coup, le creuser à fondre les minerais d'or et les minerais de fer. Ça pour transformer ben, tout ce qui aura fondu en lingot. Et le marteau pour pouvoir construire les choses avec le forgeron. Je me demande si je prendrais juste pas une fondation. Je pense que je vais quand même prendre une fondation. Histoire que je puisse quand même vérifier. Voilà. Va être plus simple pour moi pour tout transvider. Hop. Par contre, pour tourner en arrière, elle est un peu longue, mais par contre, après, une fois que vous avez tout droit, c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi de téléphone, je reviens tout de suite. Et me revoilà, j'ai presque fini. Du coup, j'ai carrément bah, décidé d'installer les trucs.
Bon, un petit peu rapidement parce que de toute façon j'ai pas de fondation. SPGFM un petit peu histoire de me dire que j'avais déjà de quoi vous montrer comment ça se passe et du coup une fois qu'on a pas mal de farmé. Donc voici ce que j'ai récolté déjà. Je vous montre un petit peu du coup ma petite mine qui s'agrandit au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir. Là j'ai posé un petit peu tout mon matos et c'est là où on va commencer à faire fondre tout ça. Donc là je vais transvider tous les minerais d'or directement à l'intérieur de celui-là. On va voir comment on va se faire. Puis derrière, on va peut-être pouvoir ce qui est petit, du coup des canalisations, pardon, et tout ce qu'il faudra pour du coup faire ce dont on a besoin pour commencer à automatiser notre récolte de minerais d'or, de fer, etc. quoi. Sans oublier bien sûr les pierres précieuses, pardon. Hop, ça fait un petit moment quand même que je suis sur le jeu. Là, ça fait depuis 14h, il est 17h. Là je pense que je vais finir de tout faire fondre, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis ensuite on va carrément. Attendez, tiens, ça je vais vous montrer directement. Hop, regardez, hop, ça fait une en saphir. Donc on va le mettre là. Ça c'est quoi ça? Ça c'est du fer. Donc le fer pour moi on va le laisser dedans. Ça, ce petit minerai là, qui est brillant. Il sert justement à une sorte de minerai carburant qui sert à alimenter certaines choses qu'on verra dans le prochain épisode. Tac. Ah, là j'ai encore un minerai. C'est un saphir également. Hop, regardez. Voilà. À savoir que du coup, les saphirs n'ont pas du tout tous la même grosseur. Donc là, je crois que celui qu'on a chopé là est beaucoup plus gros que l'autre là. Ouais, regardez. Normalement, vous voyez un petit peu à la taille, c'est pas du tout le même. Donc du coup on va utiliser le plus gros pour fabriquer une bague qu'on va aller directement revendre là-haut. Et puis avec le fer, ce qu'on va faire c'est qu'on va crafter une dague. Que pareil on ira revendre directement en haut avec le véhicule. Ah, ça je me suis gouré. Hop. Si je mets du mauvais minerai. Ça sera un petit peu dommage quand même. Le problème c'est que si par exemple on met du minerai de fer et du minerai d'or à fondre, le problème c'est que du coup il y a un minerai qui va prendre plus que sur l'autre. Et du coup forcément on va se retrouver. On va malheureusement se retrouver du coup avec du coup un lingot de fer au lieu d'un lingot d'or. Me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est le développeur qui a fait ça. Qui est un petit peu dommage d'ailleurs. Donc tac tac tac. Hop. On a pas mal d'or, c'est cool, franchement. C'est vrai que le système un par un est un peu chiant et le fait des fois de devoir carrément faire ça à chaque fois c'est un petit peu inquiétant quoi. Surtout que vous voyez bien que je vise bien le minerai d'or et pas le minerai et pas le seau quoi.
Ah, c'est un rubis. Hop, le rubis, on va le mettre ici. Mode. Donc là on a les trois pierres précieuses pour un monde sur le jeu. Il en reste peut-être plus tard, je sais pas du tout. Ok, on y est presque. Voilà, reste trois minerais d'or. Ah, ça manquait qui là ça. Hein. Voilà. Après voilà, il y aura des machines qui feront directement du tri tout seul, sans qu'on soit nécessairement, enfin sans qu'on soit nécessaire d'être présent, enfin que ce soit nécessaire qu'on soit présent. Excusez-moi, j'ai la mauvaise tournure de phrase. Du coup, ça je vais le remettre là. Toi, on va te mettre là. Voilà. Donc là, on laisse fondre du coup le minerai. Et puis, une fois que c'est fondu, on va faire notre petite bague. D'ailleurs, je vais la mettre. Voilà, tac, la bague et le saphir. On va mettre tac, ça ici. Ah, il est là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ça a fondu. Donc là, regardez, on va la mettre là. Voilà, on va regarder l'épaisseur du minerai. Haha, c'est pas un minerai de PD ça, je vous le dis. Hein. Ça c'est un minerai de tonton. du coup, bah, en attendant que je refasse réchauffer un petit peu le lingot pour pouvoir lui taper dessus, on va mettre les minerais de fer. Bon, bien sûr, après j'achèterai plusieurs bras zéro et plusieurs creusets pour pouvoir aller plus vite. Donc j'ai retiré la musique du jeu parce que franchement la musique elle est très très forte et on peut pas modifier l'audio pour le moment du jeu. Forcément si vous voyez qu'il n'y a pas de son c'est normal. Donc là on pose là, on prend le marteau et voilà, on a notre petite, enfin notre petite bague, notre très très grosse bague, regardez-moi ça. Elle peut faire la taille de mon poignet. Voilà. Tac. Ça, on va le remettre là. Voilà. Et du coup, on va mettre ça comme ça. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'on va se faire un petit peu d'argent. Pour pouvoir un petit peu. De faire un peu plus d'argent pour pouvoir commencer à mettre en place notre petite mine. Le prochain épisode sera beaucoup plus sympathique. C'est vrai que le début là c'est un peu plus chiant parce que du coup il faut pas mal farmer, tac 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 tac. C'est vrai que c'est pas mal de farming et tout, alors que là prochain épisode ça sera normalement un peu mieux. Je pense quand même de mon côté je vais essayer de refaire encore un petit passage histoire d'avoir suffisamment d'argent pour faire comment ça s'appelle, pour faire, bah pour faire les achats etc quoi. Donc je pense que ça va être bon. Voilà. Hop, on prend tout ça. Hop. Et on va vendre.
Quand est-ce qu'il y a des phares sur ce véhicule? Ouais, je crois pas qu'il y ait des phares. Hein. En tout cas, le principe du jeu est beaucoup plus sympathique quand même. Enfin, il est quand même pas mal sympathique, même si pour le moment, à l'heure actuelle, il y a encore pas mal de petits bugs, etc. Mais qui seront corrigés petit à petit, et puis le rajout sera fait par le développeur d'ici quelques mois. Et freine, ah, dis donc, il voulait pas. Hein. Alors, qu'est-ce que. Oh, je suis où là? Oh. Oula, bah, c'est un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure, les bugs qui peuvent arriver. C'est bon, je. Oui, sauf que là, je peux pas trop attraper mon matos. Je vais peut-être passer par le pneu si je peux. Non, je peux pas. Ah, problème ça. Du coup, il va falloir que je débloque le véhicule. Débloquer. Ah, ça m'a carrément TP à la ville. Ah, bah, du coup, je vais faire une petite ellipse directement jusqu'à là-bas parce que sinon. Hop, à tout de suite. Et nous revoilà. Bon, du coup, j'ai fait me tromper et tout ça. Donc, bon, voilà. J'espère juste que la bourse n'a pas trop bougé. Ah, faut que je vende directement mon anneau qui va me rapporter normalement pas mal là. Combien va me rapporter l'anneau? Mon tambour. Oh, regardez-moi ça. 845. Ça, c'est déjà pas mal. Et la dague, par contre, regardez, elle est à 13. Donc elle n'est pas accessible, surtout qu'elle est pas au dernier prix, elle a pas mal chuté apparemment. C'est pas grave, je vais quand même la vendre, ça me fera toujours un petit peu d'argent. Après sinon je peux la laisser de côté et je repasserai plus tard lorsque le prix sera un peu plus élevé. Là ça me fait 128. C'est pas excessif quoi. Oh. Je pense qu'on va faire ça, du coup je vais récupérer juste mon argent. Que je vais transférer dans mon véhicule. Voilà. Ah, j'hésite. Le problème, c'est que ça ferait pas loin de 1000. Donc, ouais, je vais les prendre. C'est pas grave. Allez, hop. Allez. Ah, j'allais dire. Elle veut pas venir l'argent là. Donc, voilà. On s'est fait au total. Attendez, je vais essayer d'empiler l'argent. Voilà. 974, donc c'est fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va retourner de chez nous. Et bah, du coup, on va faire un petit ellipse. Un petit ellipse, même pas. On va arrêter carrément la vidéo pour cet épisode. Je pense que c'est pas trop mal. Vous avez vu un petit peu comment ça se passe pour la récolte avec la pelle, avec le seau et le bâté. Et du coup là maintenant ce qu'on va faire c'est que le prochain épisode on va développer un système un peu plus poussé pour nous aider à du coup à récolter. Ah non. C'est que je pense que si je monte dans le véhicule là tout de suite ça va me faire bugger. Donc je vais me débloquer juste moi-même. Voilà. Sinon je pense que ça va réenvoyer encore le véhicule dans le ciel. Donc déjà ce qu'on va faire c'est que. On va juste commencer à acheter des choses pour la prochaine fois. Hop. Les lits coûtent 43 quand même. Ok. Là, on va s'acheter une canalisation histoire de faire couler l'eau directement dans le seau pour plus qu'on ait besoin de l'ajouter nous-mêmes. On va s'acheter une petite vanne et on va s'acheter. J'en ai déjà pris un de ça ou pas? Non. Donc je vais en prendre deux. Deux ou trois. Bon, je vais prendre trois pour être large. De toute façon, dans tous les cas, on en aura besoin plus tard de tout ça. Hop. Et nous y voilà. Voilà, ça c'est bon.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter. Je sais pas si je vais racheter comme ça. Je vais racheter directement un creuset. Je sais pas combien là. Ok. Je vais racheter un creuset. Je vais racheter la pelle. Enfin, je vais acheter une pelle améliorée. Je vais acheter un râtelier pour pouvoir stocker mes outils. Et on va acheter une pioche. Voilà. Ok, donc là on est déjà pas mal. Et je pense soit je rachète une lanterne, soit j'achète carrément des lampadaires. 32 lampadaires et la lanterne. Ah, je vais acheter des lanternes. Pour moi, on va faire de l'économie. Histoire d'éclairer un peu plus. Beaucoup de personnes me font passer la nuit en achetant le lit. Moi, franchement, la nuit, comme autant que le jour, font partie du jeu. Donc, franchement, de là à faire passer la nuit, franchement, pour moi, c'est pas trop intéressant. Voilà. Donc, je vais racheter une brosse au cas où si l'autre disparaît. Je vais racheter un bâté ou pas. Est-ce que je rachète un bâté? Ouais, je vais racheter un bâté en plus. Voilà. Donc là, d'accord. Ok, on est large. Petit fourneau. Je pense que même que je vais racheter un deuxième fourneau. Et on va racheter. On va acheter. On va acheter. Canalisation d'entrée. Ça, c'est la canalisation d'entrée. Ok. Voilà. Ok. Pour tout sortir, ça va être un petit peu le bordel. Hop, et on va prendre ça dernier au final. Voilà, on a au total pour ouf. Voilà le bordel qu'on a acheté. Hop, on achète. Voilà, il nous restera 250. C'est parfait. Donc, ben là, je voulais juste vérifier un truc. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas. Quand je dis il n'y a pas de, je me comprends. Vous verrez de quoi je parle dans le prochain épisode. Ok, très bien. Bah écoutez, sur ce, on va s'arrêter là. Moi, je vais tout mettre en place. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancée de tout ça. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce petit épisode, malgré que j'ai fait quelques deux petites erreurs au début avec mon bâté, avec mes toutes mes minerais d'or, enfin mes minerais, ouais c'est ça, les minerais d'or et les minerais de fer dedans, qui sont un petit peu envolés partout parce que je me suis failli au niveau de la touche. C'est vrai que je suis pas encore habitué aux touches, donc forcément ça aide pas tout de suite. Sachant que j'avais pas joué avant, c'est vraiment, enfin j'avais joué vite fait avant, bah plus tard. Ah, je l'avais pas acheté celui-là? Bah ok. Que du coup j'avais fait juste une vidéo pour présenter, mais j'étais pas allé aussi loin. Donc voilà. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime, parce que franchement ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires si vous avez des petites solutions, des petites idées à me fournir pour la mise en place de tout ça, pour l'avenir, on va dire, de mon automatisation. Et puis voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour le deuxième épisode. Merci à vous encore une fois et à très très bientôt. Salut, salut!